En premier, je me réveille à 6 heures du matin. Je me lave le visage en utilisant ma brosse à visage. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais lui, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, j'utilise mon crème hydratante. Je fais mon maquillage. J'estompe beaucoup le maquillage. Je mets les lentilles cernes. J'utilise une poudre sculptante avec une brosse. Et après, j'utilise mon highlighter chez Anastasia Beverly Hills. Je mets du rouge à lèvres. Il est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis. Il les a pas. Je change mon pull, mon pantalon et mon hijab. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime. Je mets du mascara. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette soirée que tu allais la rencontrer. Mon visage est prêt. Je me brosse les dents avec du charbon. Je mets du déodorant et du parfum. Ensuite, j'envoie mes trucs sur Snapchat. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière. On a tous dit assez dommage. Tous dit, je fais mon sac à dos. Alors j'ai pris. Enfin, je mange le petit déjeuner. Je mange un croissant avec du fromage à la crème et du saumon fumé et des concombres que ma mère a fait. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, aimez, commentez et abonnez-vous pour plus. Au revoir!